Oh!
Bonjour à tous, nous sommes présentement à l'église catholique du 2 mars à Casablanca pour assister à la fête de Pâques, à la messe de nos frères chrétiens. Donc la fête de Pâques qui est un moment de communion pour nos frères chrétiens. Donc pour commémorer donc, la fin de, du carême en quelque sorte, nous sommes avec nos frères chrétiens qui vont nous donner leur réaction, comment ils ont vécu le temps de carême. Et comment aussi ils ont fêté le Pâques. Alléluia. Nous sommes avec un de nos frères chrétiens du nord d'Octave, qui est de nationalité burkinabé, qui va juste nous décrire la fête en quelque sorte. Monsieur Octave, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà comment vous avez vécu la fête. C'est une joie pour nous, une joie. Nous ressentons de la joie seulement, parce que le Christ est ressuscité, il est venu nous sauver. Et à cette Pâque, nous célébrons la Pâque du Seigneur et aussi notre Pâque à nous. Et comment vous vivez la cohabitation avec les musulmans à Casablanca? Oui, on n'a pas de souci, ça va, pas de souci. Quel message lancez-vous à vos frères chrétiens et surtout musulmans? C'est juste de prier, la prière, rester dans la prière, chercher Dieu. Donc merci beaucoup monsieur Octave, alléluia. Amen. Nous avons remarqué que vous avez des CD à la main. Maintenant, donc, c'est un commerce qui vous permet en quelque sorte de pouvoir financer donc, les activités de la chorale. Ou bien c'est juste pour inciter les fidèles à aimer la chorale? Ben, les deux. Ça nous avantage et ça fait que les fidèles peuvent nous écouter chez eux aussi. D'accord. Et quel est le mot de la fin? Ben, voilà, c'est la fête. Donc, bonne fête à tout le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes avec monsieur Joseph Diédou de nationalité sénégalaise qui est venu aussi donc assister à la fête ici à l'église de 2 mars de Casablanca. Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous avons constaté que tous les fidèles du Maroc et du Casablanca sont venus assister à la fête. Qu'est-ce qui fait l'importance et la vertu de la fête de Pâques? Alors, c'est un grand événement que nous célébrons aujourd'hui, à savoir la fête de la résurrection du Christ. Et c'est une joie immense de célébrer une telle fête dans un milieu musulman. Et quand on se rencontre aussi avec toute la communauté chrétienne de diverses nationalités, notamment sénégalais, congolais, béninois, de façon africaine, ça fait chaud au cœur de vivre un événement de la fête de Pâques. Et je crois que l'essentiel, comme l'a dit Monseigneur, c'est de vivre en ressuscité, de vivre comme un ressuscité. Autrement dit, il s'agit de promouvoir la vie. Et promouvoir la vie dans un contexte mondial où il y a beaucoup de guerres. J'ai entendu la prière universelle, on a prié pour le milieu où est né Jésus, la Palestine, Israël. Il faut vraiment que c'est Jésus ressuscité qui fasse de nous des ressuscités pour promouvoir cette vie en vue de l'avenir, notamment pour nos enfants qui sont signes de vie pour chacun et chacune de nous. Voilà, nous avons constaté aussi que le prêtre a insisté sur la paix. Et vous, vous vivez dans un pays musulman, musulman à 100%. Qu'est-ce qui a facilité cette cohabitation? Alors, au Sénégal, on va dire que c'est une particularité qui fait notre fierté quelque part, mais qui demande aussi un travail pour pouvoir consolider ce dialogue islamo-chrétien, mais aussi le dialogue interreligieux. Alors, en tant que Sénégalais, le dialogue islamo-chrétien au Sénégal est lié au fait que nous croyons tous en un Dieu. Et comme le disait, le dit toujours un de mes pères spirituels, l'abbé Jacques Seck, Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le contenir dans une seule religion. Et au Sénégal, nous avons bien compris cela. Voilà pourquoi nous essayons, selon la diversité des religions, de vivre cette unité dans la cohésion avec une bonne foi en Jésus-Christ, dans une vie collective, collégiale et fraternelle. On a vécu le vendredi d'un gala au Sénégal. Quelqu'un à Blamblaga a dit, Ndiago, là, que cette année, on va mettre de la bière dans le gala. Mais ça fait rire tous les Sénégalais, ça fait sourire tous les Sénégalais. C'est ce qui renforce quelque part, on va dire, avec le cousinage de plaisanterie, cette conviction que nous avons en tant que Sénégalais d'être chrétien, musulman, religion traditionnelle. Mais ce qui prime d'abord, c'est de croire au même Dieu et de vivre, de l'aimer et de l'aimer de notre prochain comme soi-même. Oui, c'est ça qui fait la force du Sénégal. Quelques mots en Wolof, juste pour vos frères sénégalais qui vous suivent depuis Casablanca. Oui, il faut que je me contente trop. Je suis venu à la maison de mon fils pour célébrer la résurrection du Christ. On sait que la fête est une fête qui est une fête qui est une fête catholique.
té buñu célébrer fête bu melni résurrection de Jésus-Christ dafa don lo xamné dañu wara xé pour que dundu mëna nit ñi mëna dundu ci jamm comme monseigneur num ko waxé dañu wara dundu comme Jésus-Christ mi dékalé ku ci ñu déñi mëna ñu tass ko sédatlé dundu jamm bobu nak et suñu Sénégal dem kanam Maroc bi nga xamné ay réew musulman la cohésion entre chrétiens et musulmans gëna dëgër ñëpp mëna dem kanam ñu mëna dund ci dund bu neex dal. OK, donc nous vous remercions monsieur Joseph. Man ma leen di gërëm, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la même chose. Voilà, donc nous sommes avec monsieur Samuel qui est le maître de la chorale. Monsieur Samuel, bonjour. Bonjour. Voilà, pouvez-vous vous présenter devant le grand public? Alors, je m'appelle Samuel André Villon et je suis le maître de chœur de la chorale Notre-Dame de l'Aube. Et je suis au Maroc en tant que travailleur, en tant que jeune professionnel. Voilà, vous donc quel est votre domaine? Je travaille dans le domaine de l'informatique, je suis ingénieur informaticien. D'accord, nous avons assisté à une belle fête. Et nous avons aussi constaté que la chorale a assuré. Donc qu'est-ce qui a facilité donc, ce travail-là? Bah, facilité, en tant que chrétien, je dirais d'abord que c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu. Et après, nous avons suffisamment travaillé pour pouvoir couvrir cet événement. Nous avons eu des répétitions en semaine, les samedis et parfois les dimanches aussi après la messe. Donc tout le monde était là, tout le monde était assidu, tout le monde a travaillé et nous avons juste fait de notre mieux aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, la fête de Pâques, vous vous êtes tous réunis pour commémorer donc, la résurrection de Jésus. Donc que sentez-vous en tant que fidèle chrétien? Ben, je n'ai qu'un seul mot à dire, aujourd'hui c'est la Pâque, Christ est ressuscité, il n'y a pas plus grande gloire que ça. Il est ressuscité, alléluia, donc c'est tout ce que je peux dire. Voilà le mot de la fin. Merci d'être venu assister à cette célébration, j'espère que vous avez aimé et si c'est le cas, nous vous invitons pour d'autres animations. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Bon dimanche, bonne fête de Pâques. Voilà, nous sommes bien avec Monsieur Yorick, qui est aussi un membre de la chorale, qui va juste nous donner donc, sa réaction, donc, le sentiment qu'il éprouve aujourd'hui, le fait qui commémore la résurrection de Jésus. Monsieur Yorick, bonjour. Bonjour, monsieur. Ce fut un plaisir d'avoir participé à cette célébration avec la chorale tout entière. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Nous avons chanté, nous avons dansé ensemble afin de fêter la résurrection de notre Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. Voilà, donc monsieur Yorick, quel sentiment avez-vous en tant que membre du chorale après avoir réussi une belle fête pareille? Ben, un sentiment de satisfaction, satisfaction totale, étant donné que ce fut des mois et des mois de préparation en fait. Nous avons préparé cela, vous avez entendu le Handel, alléluia, le Handel qui a été chanté par toute la chorale. C'est un chant difficile pour nous, mais nous avons fait le nécessaire pour rendre l'ensemble de l'église content pour ce chant-là en fait. Et quelle est la signification de cette chanson-là qui a fait vibrer l'église? Personnellement, je ne la maîtrise pas bien, mais c'est juste pour encore. En fait, c'est dans le niveau de l'action de grâce. Donc, nous avons juste chanté l'avènement du Seigneur, c'est tout quoi. Parce que nous avons assisté du début à la fin, mais lorsque vous avez débuté à chanter cette chanson-là, toute l'église était debout et tout le monde était en train de danser, de chanter en même temps. Ah non, vous devez vous tromper parce que l'action de grâce, tout le monde était assis, c'est à la fin. C'est à la fin que tout le monde a explosé et a applaudi. Donc je pense plutôt que c'est au niveau de la quête. Et bon, c'est présenter l'offrande à Jésus en fait, au Seigneur. Présenter l'offrande, les offrandes que nous faisons au Seigneur en fait. Voilà, donc quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous sommes encore heureux que le Seigneur soit ressuscité. Et nous prenons juste la paix dans le monde. Et c'est ça l'essentiel. Un message pour vos confrères gabonais qui vous suivent depuis le bled. Ben, je sais qu'à cette heure-ci, ils ont fait la même chose que nous. Ils ont célébré le Christ. Juste un message de paix et d'amour. Merci beaucoup, monsieur Yorick. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Ah.